بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا متتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. بونجور شير زيليف بشري. Aujourd'hui, on va traiter un exercice concernant une suite des nombres complexes. Il était donné au concours l'ENSA, juillet 2015. Cet exercice-là comporte trois questions, numérotées, question 3, question 4 et question 5. Avant de traiter la question numéro 4, je vous rappelle de la question numéro 3. On note à n le point d'affixe Zn ou Zn entre parenthèses, et la suite d'un nombre complexe des premiers termes z0 égale à oméga est telle que, pour tout entier naturel n, zn plus 1 égale à 1 plus i racine carrée de 3 sur 2, zn plus 2. On considère ensuite la suite tn, définie par tn égale à zn moins oméga. La question 3 était, en remarquant que 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 est solution de l'équation z égale à 1 plus i racine carrée de 3 sur 2, z plus 2, Tn vérifie quelle relation. On a vu que Tn vérifie la relation grand A, c'est-à-dire Tn plus 1 égale à 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 Tn. Question numéro 4. On déduit que pour tout entier naturel, on a grand A. La réponse suivante, Zn plus 1 égale à 2 Zn. La réponse B, Zn plus 6 égale à moins Zn. La réponse C, Zn plus 1 égale à Zn. Et la réponse D, Zn plus 1 égale à moins 2Zn. Moins 2Zn. Donc on commence par, ici on déduit, donc on va commencer par le résultat précédent de la question numéro 3. On a trouvé que Tn plus 1 égale à 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 Tn. Cette écriture-là nous dit que Tn, entre parenthèses, est une suite géométrique, voilà, Tn plus 1 égale à Q fois Tn. De raison Q égale à 1 plus i racine carrée de 3 sur 2, et de premier terme, T0 égale à Z0 moins oméga, puisqu'on a Tn égale à Zn moins oméga, égale à moins oméga, donc T0 égale à moins oméga. Donc, Tn, le terme général d'une suite géométrique, c'est T0, ou bien Tp, multiplié par Q puissance, n moins P. T0 c'est moins oméga, Q c'est 1 plus i racine carrée 3 sur 2 puissance n. Or, Tn égale à Zn moins oméga. Donc, Zn égale à Tn plus oméga. Qui nous donne, donc Zn égale Tn, c'est moins oméga, facteur de 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 puissance n plus oméga. Et on continue le calcul. Zn égale oméga facteur de 1, voilà, on a mis oméga facteur commun, de 1, voilà, moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 puissance n. On a besoin de zn plus 6, donc à la place de n, on remplace, à la place de n, on écrit n plus 6. Donc on va trouver zn plus 6 égale à oméga facteur de 1 moins 1 plus i racine carrée de 3 sur 2 puissance n plus 6. Voilà n plus 6. Et on continue le calcul. Donc zn plus 6 égale à oméga toujours facteur de 1 moins. Si on a a puissance m plus n égale à a puissance m multiplié par a puissance n. Donc 1 moins m plus i racine carrée de 3 sur 2 puissance n multiplié par m plus i racine carrée de 3 sur 2 puissance 6. Et on continue, zm plus 1 égale à oméga, facteur de 1 moins m plus i racine carrée de 3 sur 2 puissance n. Voilà 1 sur plus i racine carré de 3 sur 2 n'est que 1 demi plus i racine carré de 3 sur 2.
c'est l'écriture géométrique ou bien l'écriture algébrique d'un nombre complexe qui s'écrit sous forme exponentielle de i pi sur 3. Le module c'est 1, l'argument c'est pi sur 3, puissance 6. Donc Zn plus 6 égale à oméga facteur de 1 moins 1 plus i racine carré de 3 sur 2 puissance n multiplié par, voilà, a puissance n égale à a puissance m multiplié par n. Donc 6 multiplié par sur 3 moins 6 multiplié par pi sur 3 égale à 2pi. L'exponentielle de i de pi, c'est cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi, qui nous donne 1. Donc Zn plus 6 égale à oméga, facteur de 1 moins 1 plus i racine carré de 3 sur 2 puissance n multiplié par 1. Enfin, Zn plus 6 égale à Zn, voilà, oméga, facteur de 1 moins m plus i racine carré de 3 sur 2 puissance n, c'est Zn. Donc, la réponse vraie, c'est C. Zn plus 6 égale à Zn. Merci de votre attention et au revoir.